Elles sont noires et affichent sur leur carrosserie le mot « miles », référence au kilomètre anglais. Un nouveau type de véhicule partagé s'est garé dans le quartier du cinquantenaire ce matin. La raison principale qui différencie miles des différents opérateurs, c'est donc cette tarification transparente au kilomètre. Donc au lieu d'être tarifié à la minute, on est tarifié au kilomètre. Ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que lorsqu'on conduit, on est moins stressé parce qu'on n'a pas de compteur qui tourne à la minute. Mais aussi également, on sait exactement combien ça va nous coûter pour aller d'un point A à un point B. Accessible via un smartphone. Quand on ouvre l'application et qu'on voit la voiture qu'on aimerait réserver, on appuie dessus et ensuite on la débloque. Le véhicule doit néanmoins être ramené dans un périmètre précis. Pour l'instant, dans le centre, l'est et le sud de la capitale. Mais c'est aussi possible de redéposer sa voiture à Gand, car le nouvel opérateur se déploie aussi en Flandre. On offre la possibilité de faire des trajets entre Bruxelles, Gand, Gand-Anvers. On peut également prendre le véhicule pour faire des trajets de plus de quelques minutes. Si on veut utiliser le véhicule pour partir en vacances pendant plus de entre 3 à 14 jours, par exemple, c'est aussi possible. Par le passé, plusieurs opérateurs en libre-service ont dû jeter l'éponge faute de rentabilité. L'évolution des mentalités et les nouvelles règles régionales sur le tarif et la durée dans le secteur des voitures partagées vont-elles changer la donne? On voit vraiment à Bruxelles que les changements de comportement sont très très forts. Un acteur comme Cambio croule sous les demandes et donc il faut augmenter l'offre. Aujourd'hui on est vraiment dans la demande est plus forte que l'offre. Et donc je suis confiant par rapport à un acteur comme Miles qui a fait ses preuves sur d'autres territoires, essentiellement en Allemagne, et surtout qui arrive avec une offre diversifiée. Selon les derniers chiffres de Bruxelles Mobilité, notre capitale compte aujourd'hui plus de 50 000 utilisateurs de voitures partagées. Sur les 1055 véhicules disponibles jusqu'ici, 705 sont en station, le reste en libre-service. Avec l'arrivée de Miles, c'est 200 véhicules supplémentaires à se partager sur Bruxelles.